Chaque année, des millions de jouets sont créés, parfaitement conçus pour apporter du bonheur aux enfants du monde entier. Mais qu'arrive-t-il aux jouets qui ne sont pas si parfaits? Bienvenue à Oglyville, l'ami. Debout, Moxie. J'ai toujours cru que le grand monde était réel. Je sais que je trouverai l'enfant parfait pour moi, mais je commence à me demander, sans aucune évidence, sans aucune preuve, qu'il n'est peut-être pas vrai. Trouve ta propre vérité. Allez, viens. Les amis, ici c'était le chemin qui mène au grand monde. Comment on fait pour monter là-haut? Je tiendrai pas longtemps, les amis. On a notre... C'est quoi perfection? C'est qui celui-là? C'est Lou. Il est tout simplement parfait. Tout le monde est prêt? Bienvenue à l'Institut de la Perfection, où seuls les meilleurs deviendront le jouet de l'enfant. Vous êtes ingénieur et mannequin. Mes accessoires me rendront différente. Vous êtes avocat et mannequin. Je suis un individu, exactement comme vous tous. Vous n'êtes pas mannequin. Erreur, erreur, erreur. Est-ce que tu crois vraiment que ta petite bande de poupées moches a la moindre chance ici? Vous feriez peut-être mieux de retourner dans votre monde. Montre-leur qui tu es. Quoi? On n'est pas assez bien pour le grand monde? Au contraire, nos défauts nous rendent uniques. Je crois que ça vaut la peine qu'on se batte pour ça. Ouvre-leur les yeux. Vous savez très bien que Lou fera tout pour vous faire échouer. Eh ben moi je dis à nous deux, Louis. Ouvre toutes les portes de ta destinée. Vis ta vie telle que tu la veux et tu seras à jamais indestructible. On peut être vraiment adorable. Bénissez leurs affreux petits cœurs. Reste fou, reste cool. Quoi ton nom? Tête plate. J'adore les noms littéraux. Tu n'es pas d'accord, Charabia? Indestructible.